Mesdames et messieurs, Nomil Rameau avec inspecteur général Godfrey Outenga, un bien cap dirigé force multinationale qui entré dans le pays d'Haïti à la, un bien rencontré dans un qui n'a parlé à la, bien pour joindre une entente, un bien pour y commencer, bien accomplir mission que vous avez gagné, bien dans le pays d'Haïti. Donc, nous dit, avant que nous entrions dans même actualité, nous saluons chaque grand monde qui a suivi nous, c'est un privilège et vous même qui visitez nous pour la première fois, ou gagne intérêt pour like, abonner, partager, parce que cause la info, c'est le cœur de l'actualité. Effectivement, mesdames et messieurs, à l'aube, un jeudi à la, au petit matin, et bien, force multinationale Kenya entre dans le pays d'Haïti et Napravlo, et plusieurs, et bien, soldats dans l'autre pays, pour nous pas dire, et dans l'autre pays comme Congo, avec plusieurs autres pays encore, bien, plusieurs pays, et bien, dans Caraïbes là, et bien, qui entre, qui t'a dû entrer dans le jour là, mais gain, non la dan yo ki antre mais reste yo ta dwe vini nan jou k ap vini. Donc on ka di grand bagay ki attire attention c'est pays qui voye soldats et bien qui mélanger pour venir faire force multinationale la pays sa yo problème ki yo gen yo pa ka compter. Donc on ka di pays Congo mesdames et messieurs qui déjà a ki crase plate bien pour choisir avoué aide by pays d'Haïti. Donc on ka di c'est grave pour nous quitter nous river dans limite ça pour police dans pays d'Haïti qui te gang yo à l'aise comme ça pour LB dans 2 ans et demi ça qu'il fait avec Ariel Henry c'est celle comme yo connaît puis qui ta à quel point que même pays mesdames et messieurs qui pas ka jeune aide qui pas manger à l'aise même pays donc on ka di k'ap souffrir dans pauvreté bien mettez dans force multinationale pour by pays d'Haïti aide alors c'est son pays qui pas misérable. Donc on ka di c'est grave je dis nous ka di première opération nèg yo c'est choisir mettez nèg qui ta by gang qui ta by gang yo zam Alika, avant que vous commenciez, moi, les gars, ça pas tout, c'est penser avec racine, tout, avant de commencer, dégrainer, faire bois, bien, avant de couper bois, dans la tête, bien, penser à racine qui te fait bois, ça pousser. Donc, on a dit, je dis à la, bien, on a dit, bien, barbecue, j'aime même soit parler là, c'est comme si on est qui voulait bataille. En retraite. Donc, on a dit, n'a pas suivi. Ça qui peut passer, est-ce que force multinationale là, monsieur Oguéan, c'est ce qui sont pas en mission de intérêt personnel, Nations Unies, ou bien est-ce que pour une fois, Nations Unies décide aider pays d'Haïti? Donc, on a dit, ça arrête en question, vu que nous, bien, Nomil Rameau, avec tout, bien, gars reconnu, et bien, les nègres venir là, toute parole nègres, c'est parole des promesses pour la population, assurer que nous prenons le travail durant un an et demi, ça qui a fait là. Donc, on a dit, gars reconnu dit lui-même, il pas venu prendre place, il pas aller loin que limite li. Donc il a dit début le fini c'est faire élection et puis pour remettre pouvoir avec Elia. Donc on a dit n'a suivre. Donc n'a suivre dans les heures et n'a suivre dans les eh bien 72 heures dans les jours tout qu'a passé là pour nous qui sa force multinationale là après mettre vu que pays d'Haïti fin bonne à gang mais pays ça que ba nous aide là c'est des pays misérables. Donc n'a suivre qui ça bail. Donc on a dit jodi a là yo tellement police dans pays d'Haïti et qui théorie venons niveau. OK qui théorie venons niveau, c'est corruption à faire seulement. Vous imaginez sous 12 combien 1000 sous 12000 combien policiers. Vous imaginez sous 2000 policiers kenyans qui viennent en Haïti soi-disant pour venir bailler aide. On a dit a gagne l'autre qui va venir. Donc on a dit Congo là-dedans mais qui pas en renfort et plusieurs autres pays. Donc on a dit bien les pays dans Caraïbes là tout qui là Bahamas qui voue soldat. Donc n'a suivre qui ça va passer parce que je dis là bien Nomil Rameau selon inscription yon source en DPNH dès ce soir n'yo ta dwe commencer mener opération bien pour comment yo capable travail pour mener pays à vers l'avant. Donc n'a suivre dans la réalité c'est pas parole. Oui. Une fois encore Haïti n'a fait expérience encore avec une force étrangère. Une mission étrangère. Et toute mission va botan rien pour nous. Toute mission qui passe va jamais botan rien pour nous. Et nous va regarder ça fait que hier nous t'a dit on fait coûte que coûte pour cette dernière mission que nous connaît. On fait coûte que coûte pour cette dernière mission que nous connaît. Pour ne pas attendre venir l'autre parole encore dans 10 ans dans 15 ans mais comment ça venir pour t'aider dans l'autre mission qui va retourner obligé retourner venir là encore. Non. Ça c'est deux voix nous. Et deux voix citoyens et deux voix population pour connait que deux voix dirigeants autour deux voix dirigeants et dans moment on a parlé à la Fondi Vladimir Désir depuis pratiquement début semaine ça et week-end qui s'est écoulé à mouvement de protestation au Kenya au point l'autre niveau c'est gros mobilisation anti-gouvernementale qui gagne au Kenya ah au quoi ça gros bien. Revendication et là un paquet d'ONG, un paquet qui sont droits humains là qui fouille bouche dans question parce que ils estiment qu'il y a des policiers qui a tiré même en Haïti. Oui. À hauteur d'homme des manifestants, pas des manifestants qui mourent, un paquet de dégâts qu'a fait. Et parlement, c'est gros désordre qui fait là dedans au Kenya. Oui. Pas de désordre dans l'autre bois. Oui, un pile désordre, il y a pas ça, il dit paquet de problèmes. Ils ont souvent violé les lois mon en pile. À décision.
que le président William Ruto avec qui il prend ces derniers temps. Oui. Bon paquet ton paquet de questions. C'est dans le contexte ça que ces 400 policiers ont atterri. Vladimir Désir, ils arrivent en Haïti. Et au sous-sol là, il y a des débarqués là, il y a descendu une après l'autre là. Donc là, il y a foulé sol là. Foulé sol là. Ça nous dit qu'on a dit. On est dans la réalité. Oui. 400 policiers déjà atterri. Et là, voilà, soit regardé sous télévision, sous chaîne 4, sous chaîne 30, ou même qui sous YouTube, Radio Télé Éclair, ou même qui sous Facebook, Radio Télé Éclair. Là, on est en direct. Oui. De l'aéroport Toussaint, l'ouverture. Et c'est Kenya Airways qui atterrit. Là, il est 9h36 dans le studio de la Radio Télé Éclair. Soit regardé là, c'est en direct. Live and vivo, bien que Orlando t'a dit. Monsieur au cap des son avion là. Live and vivo. Live and vivo en direct. En direct. Donc ça c'est monsieur au cap des son, soit regardé, oui. Cap des son. Cap ou même qui là ca ou gens qui t'a capter nous sur radio ou ca aller sur téléphone nous. Et nous va parler avec vous sur magé radio télé éclair et wap tout wèk. Kenyan yo qui débarqué sous sol là. Allez faire ça qu'on a tout abonné avec channel là. Voilà. En direct chaîne 4 chaîne 30 YouTube Facebook Radio Télé Éclair. N'a assisté c'est un événement, faut nous dire son événement là. Oui, son événement. C'est pratiquement et ministère qui était pays, c'est en 2017, est-ce que c'est en 2017? Non, sous Jovenel, ministère qui est pays. Oui, sous Jovenel. Non, c'est pas sous Maté, c'est sous président Jovenel Moïse. C'est président Jovenel Moïse, moi quoi, c'est en 2017. 2018 et 2017. Mon ami qui rappelait qu'à question, il y a ça qu'a fait, qu'a bâti rappel là. Là, c'est, on est en 2024, c'est pratiquement 10 ans plus tard. On est là, on a prévu l'autre mission. C'est pour nous battre pour l'autre 10 prochaines années qui vont venir. Pour nous battre, nous obliger l'autre mission encore. C'est malheureux, c'est dur qu'on a vécu l'expérience ça en fois. On voit encore. Jean d'Abdilier là, politiciens travaillent pour ça. Ils n'ont récolté là, ça nous t'a semé. Ça nous t'a planté. Élite intellectuelle pays ça, c'est une carrière de élite. Ils travaillent pour ça. Ils sont honte pour n'avoir assisté à sa capacité là. Non, d'où est-il? Ils sont honte. Ils sont laide. 220 années d'indépendance. Et nous songeons dans quelles circonstances que nous avons pris l'indépendance. C'était Vladimir Désir au prix du sang. Quoi ça? C'est mais non bataille pour nous prendre bout de tête ça, pour nous dire tête nous c'est grand monde tête nous. Oui. Et fois ça ouais ça fait là. Yo maquillé bagala, il pas quitter ces blancs venir encore, il pas les trop pour ça. Non, yo. Non, mais nous dans question blanc. Yo ba nous noir. Ba nous nèg nous même j'ai avec nous, on va dire blanc débarquer. Non, on pas dire c'est blanc. C'est cousin nous débarquer venir occuper nous. C'est vraiment. C'est cousin nous. C'est famille nous. Et on doit conscient, on doit comprendre que mettre game dans c'est les États-Unis d'Amérique. Ah oui. Allons deux d'accord sur ça. C'est eux qui financent, c'est eux qui font des demandes, c'est eux qui mènent dans ça. En réalité, ce n'est pas même Kenya. Oui. Et Kenya lui-même, il a venu faire job là, tout simplement. Donc là, petite question à politicien, comment nous sentons? Nous avons gardé l'image au matin. Nous avons gardé pour nous que nous-mêmes, nous contribuons pour notre force étrangère rentrer là. Nous contribuons tout le monde qui est dans le secteur privé. Petite question à monde qui est dans le secteur privé. Élite intellectuelle qui est dans le secteur privé. Petite question matin qui est dans le secteur privé. Nous avons fait tout le temps. Nous contribuons tout le monde. Comment nous sommes nous? Qui est dans le secteur privé? Qui est nous secteur nous? Oui. Comment nous sommes nous secteur aujourd'hui? Nous faisons tout ça qui dépend de nous pour nous faire force étrangère aujourd'hui. Nous sommes amis, monsieur. Nous sommes amis, famille. Nous sommes amis, tout le monde. Pour permettre qu'il y a gourmet entre eux, il y a gourmet contre la population. Et je dis à là, nous venons tourner l'autre force encore. Qui vient piétiner nous, qui vient piétiner la dignité nous, qui vient violer les droits de nous, qui vient violer les droits de la famille, qui vient violer les droits de nous. C'est ça, c'est nous qui baille ça. C'est ça qui fait que nous disons, quel que soit le monde qui nous a conseillé la responsabilité, le gounia là.
quelque chose ça passé là pour nous dire que c'est nous-mêmes, c'est faute nous. C'est alors nous c'est ça. Ça. Oui. Nous travaillons pour ça, nous mettons pays là. Nous mettons pays dans ça lié là. Donc 220 l'année, des nèg qui sénateur pendant deux fois, trois fois dans pays là, des nèg qui député pendant plusieurs fois, des nèg qui président, ministre, comment nous sentons nous? Les cafés politiques, comment nous sentons-nous? Alors, c'est nous qui travaillons pour ça. Et ça fait dit, malheureusement, c'est Mounsa qui réunit dans le conseil présidentiel. Malheureusement. Et c'est eux qui travaillent, qui plantent ça dans la tête collée avec l'international, là, qui met le pays à genoux jusqu'à ce que c'est l'espoir que nous venons galérer son force. Oui. C'est des Kenyans. Et c'est la réalité ça qui nous a vécu. La question nous pose, comment nous sentons-nous? Cette classe politique, cette classe économique, ça qui dit aussi élite intellectuelle. Oui. Comment nous sentons-nous maintenant? On a vécu. 220 ans plus tard, 25 juin 2024, on l'autre force, mission étrangère, atterri sous sol, Papa Desalina. Docteur Ulysse Jean-Chenet, bonjour, comment vous êtes? Eh bien, nous en forme, qui vient nous saluer tout le staff qui a coordonné mission avec vous, et puis salutations spéciales pour fidèles auditoires qui toujours assurent. Non, son plaisir pour nous ensemble matin. Bon, nous comptons avec nous, certainement, c'est émission pour c'est micro-vérité. Là, nous, en direct, depuis l'aéroport Toussaint-Louverture, nous avons regardé le débarquement, l'arrivée des Kenyans, les 400 premiers policiers qui atterrissent sous sol Papa Desalines. J'en ai habitué d'il. C'est Kenya Airways qui atterrit là. Qui j'en ai vivre, ça qui a passé là, qui sentiment ou à regarder, eh bien, l'arrivée de ces Kenyans dans le cadre de mission étrangère, ça, que nous connaissons pratiquement 10 ans plus tard après ministre. Mon cher, c'est avec un pile indignation et nous capables de dire que en nouvelle tournure dans l'histoire du pays d'Haïti, après que l'Occident s'est occupé de nous, après que nous avons gagné les Nations Unies qui ont débarqué sur le territoire, nous, je ne veux dire certains petits pays de l'Afrique de l'Est. Je me dis à qui débarquer sous sol pays de Talina. Ah. Pour montrer que 220 ans après, nous n'avons pas jamais mettre nos niveaux pour nous être capables de jouer de bien faire révolution haïtienne de 1804 ans, qui d'abord créé Haïti comme la première république indépendante du monde. Et la vie, soit être faite, je me dis à matin là, côté soldat kenyan yo débarqué dans l'aéroport Toussaint-Louverture là en 2024 là, nous semble tête coupée avec ça l'Occident est planifié en 2004 là. Tête coupée, comme si c'est histoire à répéter. Exactement. D'ailleurs, si nous prenons au niveau gouvernemental, ou après le comportement de Gary Conille, il est similaire avec le comportement du premier ministre Gérard Latorsi. Ah oui. Et d'ailleurs, vous tous les avez le même profil. Tous les des employés des Nations Unies qui ont été. Même bagaille. Vous même le parcours en dedans et que vous êtes dans le même contexte. Vous voyez, vous êtes dans le pays avec le DGPJ comme premier ministre, à tel point que vous avez le même comportement. C'est comme si c'était des chefs qui ont été blancs, vous voyez, en dedans. Bon, c'est même bagaille, presque c'est même réalité, 2004-2024 là. Allez, presque rien pas changé. Bon, Gary Conille, c'est même profil là, même avec Gérard Latorsi, donc qui était ancien fonctionnaire effectivement dans l'ONU. Gary Conille, c'est ancien fonctionnaire dans l'ONU, donc vient faire une mission en Haïti, qui vient prendre contrôle exécutif là. C'est presque même cas de figure là, et c'est dans le même contexte là, n'a pas connu on l'autre mission étrangère, je dis. Mardi 25 juin 2024, c'est là. Bon, et effectivement, bon, et comme nous devons fait accompli. Ah oui, c'est les soldats kenyans sont arrivés maintenant dans l'aéroport de Saint-Louverture là. Tout simplement, nous avons gouvernement, Premier ministre Gary Conille et M. Edgar Leblanc-Fils qui a dirigé le conseil présidentiel là, que nous avons dit que le pays n'a pas un savant. Chita rapide avec chef mission kenyana pour définir une feuille de route que tu as publié dans le moniteur pour dire mais qui mission soldat kenyan yo gagné, mais pour combien de temps, maintenant qui zone d'intervention à pied, maintenant qui secteur y a intervenu, mais qui
ça que nous espérons de yo. Parce que si il y a pas un savon, nous pas qu'à nous connaître à régler. Nous te fait questionnement ça matin. Nous t'a de connaître voilà, faut conseil la condition à régler, faut que pouvoir ici nèg qui dit autorité, t'a de connaître ça à régler, t'a de dit peuple là ça bail là et tout. Exactement. OK. Et parce que actuellement là en matière de souveraineté, le pays d'Haïti va exister encore. Parce que la sécurité, c'est le premier élément qui constitue la souveraineté en pays. Lorsque on est d'accord pour faire appel avec une force étrangère pour qu'ils viennent dans le pays, c'est comme si on dit que le pays allait en faillite. Et bien, comme étant donné, nous disons nous devons faire accompli, nous demandons au gouvernement et faire de route là. Élaborer rapide, voyez dans tous les médias, publier dans les moniteurs, pour nous capables de connaître en tant que population, et puis mettre en place le Conseil national de sécurité, pour travailler pour travailler en synergie avec les multinationales dans le pays, parce que le pays a comme une savane, nous ne pouvons pas claquer. Mais là, docteur Jean-Genet, est-ce que mon guide, nous guide Abtando là, qui va dire, est-ce que ce n'est pas mettre la charrue, comment on dit ça? Avant les bœufs. C'est quitter, alors quitter, lève, cabrit la fine basse pour nous appeler barré. C'est pour vous. Oui. Est-ce que c'est pas ça? Parce que c'est avant pour nous poser les conditions, avant même y arriver pour nous poser les conditions, mais comment ça fait, comment ça dérouler jusqu'à ce que nous arrivions là dans la réalité. Est-ce que c'est jeudi, pendant que vous venez rentrer là, vous avez pensé, est-ce que c'est pas trop tard? C'est long-même. Non, monsieur Manuel, dans ce côté-là, je suis d'accord avec elle, mais tout, bon, l'autre catégorie de monde qui a toujours dit, mais jamais tout ça vaut bien faire. Ok. Hein, pas de problème, non? Toutes deux possibilités sont là, mais en nous utiliser ça qui est à la portée de nous, ça qui est à la portée de nous, comme étant donné, nous devons faire accompli. Nous déjà là, avant que nous livrions au pays, parce que quand ils volent là dans le tout. Quand ils volent là quand il malade, mon petit malade là derrière tout, pas oublier, il y a Ebola, il y a un côté là, il y a toute qualité problème. Est-ce qu'il y a des bails qui fait sous santé ou effectivement, même il y a des atterris là? C'est important. Et ça, il y a un déjà en Afrique, et là, il y a un pays où il y a une belle femme haïtienne, pas étonné que ce soit un cas déjà sous mesdames nous, et bien, il faut que nous jetions des balises. Pour empêcher au fait ça ouvrir, faut que nous définissions une radio avec et malheureusement, docteur, pendant que vous dites ça, si Gombay qui vous fait là en Haïti, c'est pas la justice haïtienne. Bon, on a fait directement avec la justice. Malheureusement. Et c'est pour ça, oui, cette force non-onusienne, il y a un paquet. Vous en jouez là-dedans. Exactement. Et dans un bras de bagaille, vol des canons qui sont faits. Et dans cette citadelle là, pas gagné un jour s'il pas lié avec arrivé force multinationale là, parce que il y a un adventure qui était arrivé dans le pays, malgré que c'est américain qui a été surtout, mais pas gagné un jour c'est pas un vol et canon, non, d'ailleurs pendant ma émission ça là, nous demandons l'État haïtien de gagner au commerce de Jean-Jacques. Canon, nous n'avons pas perdu, parce que citadelle là, c'est un petit gros patrimoine que nous gagnons dans l'Amérique là, c'est fierté de haïtien. Alors, important, nous allons finir avec vous parce que là, nous allons faire la population pour peuple exprimer la rapide vite dans quelques minutes. Là, jeudi à ce 25 juin 2024, docteur Ulysse Jean-Genet et mouvement Point Vinal. Jeudi a fait 2 mois depuis que le conseil présidentiel l'a installé dans le pays. Et pratiquement 3 mois qui ont gagné depuis que c'est chef, qui connaît aussi conseiller présidentiel. Et c'est jeudi à n'a pas assisté à débarquement force là. Qui sont qu'a dit nous comme bilan de conseil présidentiel ça pendant ces 3 mois au pouvoir depuis qu'on contrôle le pays? Et c'est 9 bluffeurs. 9 bluffeurs que vous mettez dans ce pays parce que next ça 2 mois après bilan négatif. Pas oublier que next ça depuis arrivé et dans le luxe qu'il a vivre, il n'y a pas de par rapport à personne. Patrimoine, et Mandelo, qui l'a été déposé, et patrimoine, déclaration patrimoine devant et l'État, il n'y a pas de jambes faites. Qui l'a été déposé, pièce, il a demandé de déposer, il n'y a pas de jambes faites. Qui est-ce qui te va au coffre, chaque THT, 3 jeeps en flambant neuf,
qui est-ce qui te baille comme ça, qui est-ce qui te baille 25 millions de gouttes près d'installation ça yo, 25 millions de gouttes près de fonctionnement, qui est-ce qui baille comme que y a touché qu'on y est là, son bien comme budget et fonctionnement conseil présidentiel là et deux mois après c'est l'opacité totale et que nous disons ça yo et nous supposer commencer mener enquête sur fonctionnement yo, sur comment habiter son l'État. Et bien, la pire est toujours. Pire est pas choléra, non? Pire est toujours. Zenda souhaité que, et bon Dieu lui-même, il a permis que ça va arriver. Mais, tellement de dirigeants qui n'ont pas de responsabilité, des dirigeants qui ont mêlé avec bandits pour théoriser la population, et ça qui mettait nous là aujourd'hui. Pour que les sénateurs, les députés, qui sont capables d'armer ces jeunes dans différentes communes yo qui la capable mettre jeune dans quartier populaire yo qui na qui vinn ba nous ça na vive jodi a là ouais pays a gangsterisé tout côté passé gang chef gang on a journée jodi a obligé vinn gon notre mission bon malheureusement là nous charger pile nous charger pile dans ville est-ce que nous pas honte dirigeant ça qui permettre que jodi a là nous gon notre mission qui vinn continuer violer ti moun la caillou continuer violer comme là c'est l'aide nous rivé là 220 l'année après donc il y a débandation malheureusement la vie expérience ah c'est vraiment mais m'a rappelé nous n'a toujours tous amis covid d'ab tout ça c'est la faute de cette classe politique oui les classes économiques élite intellectuelle élite ceci qui réduit nous là qui nous fait n'a fait même expérience ça 220 l'année nous dit nous indépendant 10 ans après nous cette point dans ministre Jean-Pierre Bailly comment nous y est. Alors je dis bonjour Haïti d'abord, bonjour Haïti toujours. Haïti debout. Ah, est-ce que Haïti debout maintenant là? Ou pas ça cap dérouler là? Bon, ben ouais, avion atterri sous ta marque là, aéroport François Duvalier. Bon, que il est n'importe qui genre, il est tout seul ouvert dit Gounia, ouais. Mais c'est aéroport François Duvalier. Comment on vivre, comment on garder ça cap dérouler là? Bon, femme donc que m'étais très sceptique. Ok, je connais que Fogon Force qui vous venir aider et l'armée d'Haïti, bon, en fait, les forces haïtiennes, puisque nous parlions de l'armée, nous te dit déjà samedi que Aristide te fait complot à blanc pour nous écraser l'armée. Et parce que une force de maintien de paix, quand pour la police, c'est pour garder son perception de sécurité de la police barreau. Ouais, son perception. Et, d'accord. Oui. Mission, c'est-à-dire que là où on police couché ou en lumière c'est ou une infraction. Tu vois, donc c'est pas pour faire respecter la loi. C'est pas dans le niveau insécurité qu'il y a là. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que niveau de sécurité que nous devons gagner hein, et fait que c'est pas on petit force comme ça, même si nous gagnons unité tactique, nous gagnons toute grosse unité. Mais en général, dans tous les autres pays du monde, ce sont des militaires qui occupent et fonctionnent ça. On est dans pourri, il y a une force sous banan de mu. Donc, là, il y a réduit Haïti à sa plus simple expression. Cette armée indigène qui avait défié la plus grande armée du monde alors. Elles sont bonnes. Tes footballeurs français à découper dans le monde à l'IFL qui te veillent. Et puis courir même, elles se reprennent. Donc le pauvre. Kazerak, elles se reprennent. Et puis, quand on vient de respecter blancs yeux bleus, on vient de 6 pieds 3, la race aryenne, elles se reprennent. C'est ça, les blancs français à payer à l'époque. Puis, il n'y a pas que petit nègre, elles se reprennent à terre, gros orteils, elles se reprennent foutues dehors. Donc, c'était une affaire à ne jamais répéter encore. Donc, nous portons le fardeau de notre histoire, elles sont bonnes. Le fait que réduis-nous à notre plus simple expression pour faire payer fréquentité nous, bon, finalement, ouais, que Nego prend Cobla, yo décaisson Cobla et le Kenya, qui est le représentant des Américains en Afrique. Le représentant des Américains. Oui. Pas oublier que la force kenyenne était. Et c'est l'armée et Angleterre qui entraînait M. Sall. C'est et l'Angleterre, donc, qui ont très bonne relation avec Américains. Américains, de vous dire Angleterre. Donc, vous dites Américains. Donc, c'est eux-mêmes. Donc, finalement, ils ont pris un petit coup. Ils ont voyé par le président. Puis, finalement, ils ont fait aussi bien sur les règles d'engagement. Et règles d'engagement, ça veut dire que un policier kenyan qui a vu Nali, il violé,
il fait ça avant, on va relayer la justice. Et donc, c'est ça qui était Paris. C'est grave. Wow. Non, il était Paris, c'est bien ça. Le 25 000 hommes de troupes, Clinton, ils ont débarqué en Haïti. Ils ont fait militaire, ils ont signé, ils ont fait avec le président Aristide signer les règles d'engagement. Qu'on ne peut pas poursuivre ça. On ne peut pas manger. Voilà, manger. Donc c'est même 4 figures là, n'a pas vivre là avec Kenyan qui débarque là. Et les vignes, bon, bien sûr, ils ont fait comme quoi son force de police. Mais là, et faut qu'on passe maintenant l'état-major la MEA, la jeunille un petit peu, elles sont bonnes pour qu'ils capent. On parle de la police. Non, la MEA tout, elles sont bonnes. L'état-major de la. N'est-ce pas dans la MEA là du tout? Mais on nous compte. Alors on n'a pas le fin avec. Pas rien la MEA là ou pas ouais ça qu'a fait là la MEA pas sous table là du tout. Mais c'est la MEA qui est bas et aéroport sécurité, attention. C'est chose bizarre. Non, là, on a besoin de la MEA, utiliser, mais là, on n'a pas besoin de la MEA. Ouais, on a mis la route. Ouais, c'est la police seulement, là, dans la question Kenya, dans la question force à cap de baguer. C'est la MEA qui est bas et la sécurité, la Kali. C'est ça, donc, qui fait pas de manger ici, Soudan devant. Donc, maintenant, nous avons, même t'es sceptique, pas de quoi vraiment que. Mais comme. Nous sommes en période électorale américaine, est-ce que vous donc il faut un coup de théâtre. Maintenant, est-ce que la réussite des forces kenyennes en Haïti pourra permettre Joe Biden et avoir l'autre figure qui fait dans. Dans l'élection américaine le 5 novembre. Donc ça est important. En tout cas, n'a pas suivi le dossier et n'a pas gardé gens ça.